énormément de fierté parce que c'est jamais évident. Aujourd'hui, on a montré une belle image du football africain. Énormément de fierté. Pour ma part, voilà, c'est ma première participation. Aussi, pour certains joueurs, il y en a qui ont gagné deux pour la CAN. Écoutez, c'est énormément de fierté. On a voulu rendre heureux le pays. C'est ce qu'on a fait. Les épreuves n'étaient pas simples. C'était difficile. Chaque match a été difficile. On perdait à chaque fois et on a su retourner les matchs, sauf contre le Congo. Et aujourd'hui, voilà, on peut être fier. Et j'espère que tout le peuple ivoirien va pouvoir profiter de ça. Cette génération n'est peut-être pas une génération dorée comme on a pu voir avant. Mais mentalement, je pense qu'on est au-dessus de toutes les générations. Il y a les anciens qui ont parlé avant cette CAN-là, qui ont dit qu'on n'avait peut-être pas l'équipe, leur équipe il y a quelques années. Et ben, nous, on est champions. Pour certains, deux fois champions, ouais. Comme moi et Max. Donc maintenant, on va savoir si on peut même être remplaçant dans cette équipe-là. Peut-être qu'il y a de la place. En tout cas, voilà, content qu'on ait pu donner cette joie à ces jeunes-là qui découvraient pour certains la compétition. Il y en a qui se rendent pas compte que dans cette équipe-là, il y en a beaucoup qui jouaient leur première CAN et qui gagnent. Ça me fait rappeler nous en 2015. Donc voilà, on n'a peut-être pas la meilleure équipe dans le talent et tout ce qui va avec. Mais on a une équipe. Et en équipe, on peut renverser tout le monde. En quand on prend un but contre le coup du jeu, alors qu'on domine. Juste après le but, il y a la réaction du public derrière. Ça nous met direct encore dans le match et je pense que ça fait la différence. Et je tiens à mettre mon chapeau parce qu'ils ont fait ce soir. Ils nous ont supporté, ils nous ont encouragé pendant les moments difficiles, ils ont poussé et à la fin, il y a eu le résultat. Donc je vais juste les dédier cette. On a mal démarré, on était. Tout le monde nous a insulté, tout le monde a dit ce qu'il avait à dire et tout. Mais nous, on y croyait. On a continué à travailler, on ne s'est pas déconcentré, on ne s'est pas tourné, on n'a pas tourné dos aux objectifs. Donc on a continué à travailler. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est le fruit du travail qui a été mis en place depuis plusieurs mois, je vais dire. Donc là, je suis très heureux, très content. On est tous heureux. On est tous heureux. Donc voilà. On a trop galéré là pendant cette CAN pour amener des ondes négatives. Donc nous, on restait sur tout ce qu'on a fait depuis le Sénégal. Et on voulait vraiment que à l'intérieur de notre groupe, on ne soit que positif. Donc toutes les ondes négatives, toutes les pensées négatives, là, on a enlevé ça de notre camp de base et on est resté que sur du positif.